tous, bienvenue sur ma chaîne. Je partage avec vous aujourd'hui un atelier loisirs créatifs, un vase de fleurs pour la fête des mères. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Beaucoup de surprises se passeront. Bonjour, voilà. Voilà, alors nous allons prendre les petites gourdes de fruits, des jus de fruits pour les enfants, que nous allons customiser. Donc on va enlever les papiers et vous aurez besoin d'un ciseau, un pinceau, une petite coupole et de la colle déco patch. Voilà, parce que on va utiliser des papiers déco patch. Voilà, donc on va enlever la petite affiche. Et là, je prends la colle déco patch. Que je vais repartir sur tout le long de la petite gourde. Voilà. Vous recouvrez tout autour la colle déco patch. Alors, moi, je vais prendre juste la partie du milieu. Je laisse en haut et en bas. Voilà. Alors, les papiers, j'ai plusieurs choix. Voilà. Moi, j'ai pris un petit peu pour faire assorti aux fleurs que j'ai prévu de mettre. Voyez. Donc, vous faites vraiment la couleur qui vous plaît ou qui plaira à votre maman ou sa couleur préférée au choix. Donc, maintenant, je découpe les papiers déco patch. Je vous mettrai dans le lien pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent un peu plus d'informations. Donc, vous collez. Voilà, comme ça. Et vous faites tenir légèrement un petit peu encore avec la colle par-dessus. Voyez, comme ceci. Et comme ça, ça tiendra. Voilà. Donc voilà, j'ai recouvert les papiers de copatch tout autour en laissant en haut et en bas. Voilà. Le décopatch, moi, ces modèles-là, je l'avais trouvé à Truffaut. Voilà. Vous pouvez le trouver à Action également, si des magasins d'Action sont plus proches de chez vous. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire pour coller ce que moi j'utilise. Soit vous coupez par petits morceaux, vous posez et vous collez, vous avancez comme ça par petits morceaux. Soit vous coupez la mesure de l'endroit où vous voulez vraiment coller, les dimensions exactes. Et voilà, et vous collez. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de repasser plusieurs fois. Alors, pour ceux qui connaissent la petite bouteille de jus de fruits, le bouchon a une petite cloche blanche que j'ai enlevée et que j'ai utilisée pour un atelier demi-gay. Voilà. Donc, j'ai posté sur ma page Facebook que je vous mettrai le lien en bas dans la barre. Donc, vous pouvez voir l'atelier que j'avais fait pour la fête demi-gay et que j'ai utilisé les petites cloches. Donc, j'avais coupé, c'est pour ça que les bouchons que vous voyez n'ont pas de petites cloches. Donc, maintenant, pour continuer sur les vases des fleurs, vous enlevez les bouchons, on garde que les vases et je vais vous montrer la surprise qui arrive. Donc, maintenant, je vais coller des petites strass pour habiller les vases. Je prends les pistolets à colle. Vous mettez, voilà, des petites strass orange. Vous voyez, vous faites tenir 3 secondes et les strass tient. Et maintenant, je vais coller une petite strass à nouveau sur un deuxième vase orange. Voilà, donc sur chaque vase, je mets des petites strass. Vous pouvez mettre
des paillettes, vous pouvez mettre d'autres modèles de strass. Moi, ces strass, je les ai achetés à Action. Voilà, je vais vous montrer, c'était un grand paquet. Donc, voici le paquet des strass. Il y en a vraiment 200. Il y a toutes formes, rondes, triangles, fleurs, beaucoup de couleurs. Voilà, je crois qu'il m'a coûté 2 euros à peu près. Donc, je l'ai acheté à Action. Vous pouvez acheter ce modèle-là ou d'autres modèles, voilà, au choix. Alors, on l'utilise pour décorer, customiser tous les objets qu'on veut décorer. Ça embellit toutes les petites créations que vous faites, vos petites merveilles. Donc, voilà. Donc, voilà, enfin, on y est. La belle surprise, le fleur. Donc, moi, j'avais acheté, pareil à Action, des petits paquets de fleurs. Je crois qu'il y en avait 9 à peu près. Et il y avait le rose et les blanches. Donc je m'amuse soit à les colorier, soit à juste mettre des petites paillettes, vous voyez, tout autour de la petite fleur. Voilà, vous avez le choix. Ça, c'était une blanche que j'ai décorée en vert. Alors, c'est un atelier que vous pouvez faire vous-même, ou que vous pouvez faire des jeunes filles ou garçons de 8, 9, 10 ans, voilà, que vous pouvez aider. Donc, vous aurez besoin les fleurs, les brillants protection pour un peu coller, les paillettes que vous utilisez suivant les couleurs que vous souhaitez utiliser. Moi, j'en ai utilisé plusieurs, voilà. Les pics à brochettes qu'on va utiliser pour faire tenir en tant que tige. Et c'est parti. Donc là, on va asperger, voilà, un petit peu la colle partout. Et après, on saupoudre les paillettes autour, comme ça. Tac, 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 tac. Et après, vous enlevez juste l'excédent en tapotant très légèrement. Voilà, votre petite fleur. Donc moi, quand je les ai achetées, il y avait une petite tige très fine. Je vais couper la tige, je vais vous montrer avec celle qui est sèche. J'étire, ça s'enlève facilement. Et après, j'ai pris une grande tige que je vais couper 11 cm dans le sens hauteur, comme ça. Je coupe et après, voilà, ça me fait la petite tige. Donc, vous enlevez 11 cm. Et là, vous piquez votre fleur en partant par le haut de la fleur. Donc, vous prenez la tige et vous, dans le sens de la pique, voilà, vous mettez votre tige et comme ça, vous descendez. Et voilà, votre jolie petite fleur est prête. Donc, je vais faire encore celle-là, je vais vous montrer. Voilà, j'avais déjà la tige coupée toute prête. Vous cherchez bien le centre. Donc voici la surprise finie. Le travail de vase de fleurs pour la fête des mères terminé. Simple, efficace, de la récup, presque 0 euro. Voilà, capable de faire à des jeunes enfants. Donc maintenant, moi, je vais les ranger par deux, parce que je les avais faites par deux, une avec des paillettes, une naturelle. Donc, celle-là, j'ai décoré avec du rouge, donc je vais la mettre ici. Alors, moi, j'ai essayé de faire un peu assorti. J'ai mis le papier de Copatch un peu assorti, le rose avec le rose, le orange. Voilà, un joli atelier loisirs créatifs, un vase de fleurs pour la fête des mères. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous pour suivre toutes mes petites surprises. Ça vous fera plaisir. J'espère. L'astucieuse maman éveille et émerveille avec ses merveilles créations. Profitez-en!